Vous êtes assis le dos droit, les épaules relâchées, le menton légèrement rentré afin d'étirer la nuque. À présent, posez votre attention sur le souffle. Le va-et-vient du souffle, conscient de l'inspiration et conscient de l'expiration. Soyez attentifs à la zone au niveau des narines où l'air entre en contact avec la peau. Ce peut être sous les narines, au bord des narines, dans les narines. La fraîcheur de l'air à l'inspire. La chaleur de l'air à l'expire. Apaisez votre mental en restant concentré sur le souffle. Si votre mental s'égare, ne jugez pas, revenez à votre respiration. Calmement, tranquillement. Considère qu'il te montre un trésor, ce sage qui, voyant tes défauts, te réprouve. Reste auprès d'un tel sage. Les choses ne peuvent aller que mieux pour celui qui demeure auprès d'un tel sage. Laisse-le te sermonner, t'instruire, t'éloigner des mauvaises habitudes. Il est aimé et apprécié par les bons, il est rejeté par les méchants. Ne recherche pas la compagnie d'amis mal avisés. Ne recherche pas la présence de ce qui est vil. Recherche la compagnie d'amis bien avisés. Recherche la compagnie de ce qu'il y a de meilleur. Désaltéré à la source du Dhamma, rafraîchi par le Dhamma, Tu dors en paix, l'esprit clair et calme. Le sage se réjouit toujours du Dhamma Révélé par les nobles êtres éveillés. Ceux qui construisent des canaux d'irrigation canalisent les cours d'eau. Ceux qui fabriquent des flèches affûtent leurs flèches. Ceux qui travaillent le bois façonnent le bois. Quant au sage, il se discipline lui-même. De même qu'un roc solide ne sera pas ébranlé par le vent, le sage n'est affecté ni par le blâme, ni par la louange. Comme un lac profond, clair, calme et sans remous, le cœur du sage s'éclaircit et s'apaise en entendant la vérité du Dhamma. En tout lieu, en vérité, les êtres bons et intègres sortent du lot. Ils ne perdent pas leur temps à bavarder dans l'espoir de s'attirer des faveurs. Quand ils sont touchés par le bonheur ou par le chagrin, les sages ne montrent aucun signe de joie ni de tristesse. Celui qui ne désire obtenir, pour lui-même ou pour un autre, ni famille, ni royaume, ni même son propre épanouissement personnel par des moyens malhonnêtes, celui-là est vraiment vertueux et intègre. Rares sont ceux qui atteignent l'autre rive. Le plus grand nombre se contentent de s'agiter en tous sens sur cette rive-ci. Mais ceux qui pratiquent le Dhamma, parfaitement enseigné par l'éveillé, iront au-delà du royaume de la mort, si difficile à traverser. Abandonnant l'obscurité, le sage recherche la lumière après avoir quitté son foyer pour mener une vie errante dans la solitude, si difficile à apprécier. Et puis il doit rechercher la félicité et repousser tout désir d'essence, lui qui n'a rien. Il doit se purifier sagement de tout ce qui obscurcit l'esprit. Celui dont l'esprit a atteint le plein épanouissement des facteurs d'éveil, celui qui se réjouit d'avoir renoncé à l'attachement et à la convoitise, celui-là resplendit de sagesse. Les obstacles ont tous été franchis. Il demeure dans le monde, libéré.